Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve exceptionnellement sur le jeu League of Legends en compagnie d'un ami Pigloom, ici présent. Et salut tout le monde. Donc ça sera une petite vidéo détente pour changer un peu, étant donné que le walkthrough de ruse étant terminé. Et pour aussi aborder la suite de la chaîne et répondre à certaines de vos questions. Donc avant tout, les deux jeux qui suivront en parallèle, ce sera la campagne de World in Conflict et son essence World in Conflict Soviet Assault. Oui. Et avec ça, on aura le jeu Company of Heroes et toutes ses extensions. Bon, deux secondes. On va s'en prendre plein la gueule, les gars, je sens. Là, par la gloire. Retour Trinda. Je me fouille des potions de vie, moi. Mais faut pas les dissiper, en fait. Des sbires sont apparus. Ne me poussez pas à bout. Soit, hein, on va continuer où on en est. Bon, c'est vraiment une petite vidéo, ouais, pas préparée du tout, ouais. On est là, je l'ai fait. On vit de vous tenir un peu au courant des actualités, hein, de ma chaîne. Donc vous avez pu remarquer que ma dernière vidéo fait quand même environ 49 minutes. Deux top. Ne me poussez pas. SS. Vous avez pu voir que ça a quand même pris 49 minutes. Ça m'a pris en tout pour uploader 28 heures. Donc je ne vous referai pas une autre vidéo aussi, je me limiterai à peu près à 30 minutes par vidéo. Ça évitera de faire une des vidéos trop longues. Parce qu'on a y regardé 49 minutes d'une seule trêve comme un bord de courage. Ah ben les hôtels sont dans 30 secondes. Échange de kill. SS stop. Non, rien n'est tout seul finalement. Vas-y, on l'a mis. Tu lui mets le rare. Oh non, le score. Non, mais je fais le coup. Tant que je peux développer ma buveur d'âme. Vas-y, non, mais on est mort. Tu lui mets le score, on est mort. Donc en tout cas j'espère déjà que j'ai eu quelques commentaires à la dernière vidéo. Apparemment ça vous a plu pour Promo Walkthrough, hein. Même si c'est pas d'une qualité extrême, hein, toi qui la première vidéo. Mais je vous remercie en tout cas de vos encouragements, hein. Donc je vous réponds un peu à la question que vous m'avez demandé, hein, le matériel que j'utilisais surtout, hein. Le matériel que j'utilise, ben j'utilise en tant que sac pour filmer. J'utilise Fraps. Fraps, c'est un logiciel qui coûte à l'époque 50$. Je sais pas si en Europe. Parce qu'on a l'habitude avec les logiciels leur conversion un peu douteuse, hein. 1€ égale 1$, mais bon. On va avec, hein. Et avec ça, pour compresser justement en vidéo, j'utilise Sony Vegas Pro 11. Logiciel quand même très coûteux, ça par contre. Toute la collection Adobe coûterait à peu près 600€. Je connais qu'il y a plein de personnes qui sont douées niveau logiciel et je vous parie qu'il y en a qui les trouveront gratuitement. Et je veux pas savoir comment vous êtes débrouillé pour les avoir légalement, hein. Donc tous ces logiciels là, c'est comme des logiciels quand même assez coûteux, comme après vous direz mon temps. Mais ils ont l'avantage d'être extrêmement utiles. J'ai commencé mes vidéos avec Sony Vegas qui avait prêté un de mes amis, hein. Et puis je suis passé sur Adobe, c'est deux logiciels extrêmement sympathiques les deux, hein. Bien développé. Exécuté. Ne me pas dans le jeu. Ok, t'es mort contre.
T'es mort contre des loups, GG. Non mais ça il faut pas le prendre en compte. Il faut que je perde un peu de temps pour un peu équilibrer la partie. Les anges osent s'aventurer. On peut voir mon pic, comment ? Beaucoup de questions qui ont été assez récurrentes qui m'ont été dites, c'est on veut pas de toi sur YouTube, hein. Mais ça va faire rire Nikoa qui est ici présent, Naï. Vous voulez pas de moi sur YouTube parce que je gênerais le frais de l'ombre à d'autres films. De quoi? Oui, des personnes m'ont... J'ai eu plusieurs commentaires comme ça, je serais apparemment... Je gênerais personne à faire cette vidéo. Ouais, bah ils ont pas parlé à vous. Voilà, c'est justement ce que j'ai envie de dire. Hein. Si ça vous plaît pas, vous allez voir ailleurs. Hein. Moi, les vidéos, je les fais peut-être pas pour... je fais pas pour avoir un grand nombre de vues. On s'est toujours contre-foutu, mais on fait toujours... Voilà, ces commentaires là sur ces personnes qui ont des choses dans ce genre là. Déjà un, ces commentaires là, je les supprime déjà de ma chaîne. Il n'y a pas raison de que ça soit là. Et deux, ça vous plaît pas, ne regardez pas. Comme on l'a déjà dit, je vous oblige pas à regarder mes vidéos. Vous les regardez si ça vous intéresse, après moi je m'en contrefous. Ouais, ça fait pas, voilà. C'est sans fin. C'est vrai qu'en aïe ça va m'énerver en tout le long de la vidéo parce que c'est quand même un truc moi qui est quand même assez énervant. Voilà, on est des nouveaux. Je suis un nouveau filmeur, je comprends, il y en a qui sont déjà en place, voilà. Mais c'est pas une raison. La divination. On a tous quand. Voilà, par exemple pour les nouveaux filmeurs, on commence tous par être méconnus. Voilà, on fait des vidéos parce que les personnes qui regardent, c'est des personnes intéressées. Et avoir des commentaires comme ça, c'est un peu frustrant quand même. Moi, personnellement, je vais pas me prendre la tête avec des personnes comme ça. Hein, Putain, mais... Wow. T'es sûr que tu voulais pas un coup de main en bas? Ah, j'ai le lag. Ça arrive. Un ennemi a été tué. C'est la fin. Meurtre en série et non mais c'est bon, farm. Farm, oui. Plus je farm, plus je récolte ça avec plusieurs bananes. Tu m'étonnes que je vais farmer. Moi, je suis pas de la merde. Il monte sur toi. Que c'est ce que j'attendais. Non, non, il... Bon tant pis, j'ai tenté. Hein. Ne connaissant pas trop perso d'Organa. Ah c'est que le level 4, ah ouais. T'as quand même pris du retard. Donc voilà. Les deux jeux, pourquoi j'ai aussi là, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire ce jeu-là et pas d'autres. Company of Heroes. J'ai décidé justement de le faire, c'est parce que prochainement, les mois qui vont suivre, Company of Heroes 2 va sortir. Et je me suis dit, pour bien introduire justement le Wokfu de Company of Heroes 2 quand je pourrai l'acquérir, hein, je vais faire Company of Heroes, hein, comme ça vous permettra de patienter en attendant qu'il sorte. Hein. Un ennemi a été tué. Bon, c'est un jeu de mémoire, le jeu il date de... Un allié a été tué. 2005. Là, je l'entends déjà les critiques à mon sujet sur les vidéos. Wow. Non, ça arrive à tout le monde de merder. Hein. Ouais, je t'ai carré avant, mais ça c'est pas. Oui, voilà. Je sais, à partir d'un moment, on a commencé à 1-7 et 5 des morts, c'était les miennes. Hein. Au final, on a gagné, mais bon. Un allié a été tué.
Ah, au final, hein. En plus, t'as rien de point, Nicolas, c'est ton deuxième compte. Leur mort attend. Ouais, t'as un compte level 30. T'as le droit de faire une partie mauvaise de temps en temps avec ton compte courable, hein. Non. Les ors. Si. Vas-y, on se fait. Bon, on se fait, on se fait. Non. Ouais, moi, c'est bon. Un ennemi a été tué. Vas-y, vas-y, on se fait, on se fait. Non, on savait pas. Ne me poussez pas. Donc voilà. Et Wording Conflict, c'est un jeu que je fais. Il doit pas être très connu par la communauté, justement. C'est un jeu qui m'a extrêmement plu, moi. Je passe encore de nombreuses heures sur son petit jeu. Hein. C'est pas un jeu exceptionnel, mais c'est un jeu bien sympathique. Hein. Faut dire ce qu'il y a, Wording Conflict, avec son extension, je l'ai acquis à l'époque, c'était pour une vingtaine d'euros. Et ben donc, pour 20 euros, je ne pensais pas pour passer autant de temps sur un tel jeu. Ah, toi, t'es bien. Moi, oui, je suis bon. Non, t'es bien, t'es pas bon. Ah ok. J'ai compris. Bon, on va peut-être... Oui, on se gagne, on est parti. Triplé. Ah, je me suis pris tous les coups, vous avez pu les tuer au moins. Ace. J'ai même pas pris d'assist. Si, j'ai tué les assists, moi. Et moi, non. Mais moi, j'ai un grand impact sur la partie. Oh, c'est pas grave, hein. Faut bien un poulet par équipe, hein. Et par part. Non, mais en fait, j'ai fait ça pour un peu leur donner une chance. Ouais, tout de suite. Sinon, ça allait être fini en 20 minutes. Ouais, bah, faut quand même pas qu'elle fasse plus de 30 minutes, tu auras pas la vidéo. J'ai pas envie de repasser 28 heures de code. Donc, je vous encourage à faire ça sur le jeu, les gens qui nous regardent. C'est de. Vous mettez entre potes, vous faites. Voilà. Vous mettez entre potes, vous demandez à un pote de faire volontairement de la merde. Et comme ça, vous le reportez et puis. Surtout si c'est un votre ami. C'est un vous banavis, connaissez. La quand vous connaissez la personne, vous reportez beaucoup. Parce que c'est les pires poulets, nos amis. Bah ouais. Oui. Un bon. La vie est un élément. Dans votre cas, c'est la fin. Pour la spécial game. Et ils vont me venir dessus. Vas-y, le mec là, sous la main. Là, par la grâce. Non. Je suis le top. Bon, moi, je vais au top. Hein. Il y a du creep à me faire pour ma pure dame. Donc voilà, c'est vraiment deux jeux que j'espère que vous suivrez. J'éviterai en fait de faire uniquement ce que j'ai fait là, de mettre vidéo que d'un jeu. Le vrai jeu, c'est LOL. Non, LOL, je fais ça, c'est une petite vidéo détente pour changer. Hein. Et tu m'expliques en plus où est la campagne de LOL. Hein. Bah là, la campagne. Ça, c'est la campagne. Ça, c'est des bots, tu vas me dire. C'est des IA. Ouais, mais bien sûr. Donc comme je disais, c'est que j'ai évité de faire uniquement des vidéos que d'un seul jeu parce que ça peut être un peu chiant, faut dire ce qu'il y a, si j'ai envie de voir pas de voir plus que d'un seul jeu. Oui, ma pure dame, ça marche aussi sur les tourelles. Pas de problème. On voit, ce sera, c'est vraiment... Bon, là,
je mettrai dans la description de la vidéo, je mettrai le nom des jeux qui vont suivre, hein, comme ça vous pourrez jeter un petit coup d'œil de quoi ça va être, hein, ces jeux. Ensuite, niveau matériel pour filmer, Wrap est un logiciel qui consomme beaucoup de ressources. Si on fait aussi cette vidéo, c'est pour que vous vous abonniez à la chaîne. Ah oui, abonnez-vous. Non, merci de m'avoir fait penser. C'est pas vraiment le fait de vous abonner. Laissez des commentaires si vous regardez les vidéos. Ouais. C'est déjà ça. Et surtout les personnes qui savent mettre des pouces bleus. Déjà, c'est les personnes sûrement qui me critiquent. Hein. Non, mais des fois, il y a des bons pouces bleus et il y a des mauvais. Voilà, le problème, c'est que c'est pas le compte des pouces bleus. Pas du tout. Si à côté il y a un commentaire qui explique qu'est-ce qui en va pas dans la vidéo. Voilà. Je suis nouveau et j'ai encore des parce que les pouces rouges, ouais, t'es nul à chier 4 fois. Voilà. C'est juste dans le sens là que j'apprécie pas les pouces rouges. Ouais, il y a une personne qui met un pouce rouge, je sais pas pourquoi. C'est génial. Alors qu'à l'inverse, vous mettez un pouce rouge, vous me dites, ouais, y a la qualité de la vidéo était pas très bonne. Voilà. Moi je suis extrêmement attaché pour tout ce qui est qualité de vidéo, je ne peux pas qu'un vidéo soit plus qualité. C'est pour ça que j'ai fui d'un coup au départ, parce que sinon elle allait durer 5 minutes la vidéo. Ouais, t'as raison. Donc pouce rouge à moi aussi. Voilà, pouce rouge. Parce que j'ai non, sérieusement. Ah, c'est... bon, déjà je m'en excuse, la vidéo est pas du tout pareil. C'est le fire arrache, tout fait bien fait. J'essaie de combler comme ça. Oh oui, c'est ça, ça peut être une vidéo détente, comment. Vidéo détente d'information. C'est une vidéo où t'as juste noté vite fait les réponses aux questions. Les plus posées, bien évidemment. Hein. Et vite fait, tu donnes quelques informations vite fait, et en même temps tu essaies de jouer. Donc c'est un sacré bordel, hein. Un sacré bordel. J'ai quand même pas à dire, mais bon, c'est. Voilà, c'est marrant, hein. Oui, invocateur. Et moi, je vois bien derrière votre écran en train de vous fendre de la gueule de mon coéquipier qui fait que mourir. Mais non, moi, je suis pas convaincu. Bon, enfin, qui mourait plutôt. Votre âme va être. Meurtre en série. Oui, c'est bon, maintenant on est tous opé. Dommage, c'est vrai que le manque de challenge, c'est un peu dommage. T'aurais dû prendre ton compte level 30. Ouais. Non, mais après, c'était toi qui mourrais, et ben, tu serais pas incité par tes joueurs. Votre équipe a détruit une tourelle. Voilà. Je vois pas vraiment les questions d'autres qui vont être posées à part. À part cette question-là, avec quoi je fumais et... Si, il y a peut-être une question qui n'a pas été beaucoup demandée, mais je vais quand même dire pourquoi je fais des vidéos. Pour une simple bonne raison, que j'ai déjà la chance d'avoir déjà le matériel déjà pour faire d'avoir beaucoup de jeux vidéo. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent pas profiter de cette chance-là. Et à côté, j'ai aussi la chance d'avoir tout le matériel nécessaire pour... Tu me caisses pas. Méchant. Donc certains en regardant cette vidéo, ils vont se dire que Nasus c'est viable en 3v3, mais ça n'est pas du tout. Nasus c'est OP si t'arrives à faire sa bucord d'âme au bout de 40 minutes. Donc n'essayez pas de Nasus en 3v3, c'est marrant. Nasus c'est OP, hein. Ouais, c'est... Si sa buveur d'âme est chargée, c'est bon, il démonte une équipe. Hein. Ouais, en 40 minutes, j'ai open face en 19 creep. Pour un molly. Leur mort attend. D'habitude, j'ai plus de creep que ça. J'ai pas mon ulti, on n'y va pas. Ne me poussez pas.
Oui, au moins il va se débrouiller, il n'a pas pris. T'as l'ulti dans combien de temps? Moi dans 50 secondes. Un peu moins. Bon, j'ai le temps de back, moi au moins. Moi j'ai ma mana mine. Puis de la mana. Oh, ah, je vais, ah oui, je vais faire un bon stuff de guerrier. Je leur dirai bon courage après me tuer avec ce que je prends. Bon courage. Par la grâce. Donc voilà, je fais des vidéos, tu vois, c'est compliqué, je vais te faire des vidéos. Hein. Et surtout, ça me permet, voilà, après de faire ça, qui ne pas vraiment avoir la chance d'avoir certains rues. En Prusse, tout ça, j'ai, par exemple, y a plein de moi, jeux. Pas cette... Voilà, t'as pas la chance d'avoir ces jeux-là. Ou pas les connaître, tout simplement. Y a, bah, en Prusse, c'est un jeu extrêmement connu. Parce que ça n'a pas été extrêmement développé. On a beaucoup entendu parler, en fait, c'était que le premier jeu à avoir adapté toute l'interface à une table tactile, en fait. Ça. Mais bon, voilà. Table tactile, ouais. C'est une neurone, dites-moi combien on a une. Ouais. C'est bien beau, tu vas de pouvoir bien et tout, mais bon, à 6000 euros, il y a peu de personnes qui vont avoir cette table. Moi, c'est le ramon. Est-ce que moi voilà comment on revient de l'autre. Voilà comment on fait pour démonter une équipe. Bon attends, on va péter ça à Touraine. Non. Ah ouais, oui je sais, je suis une Touraine, je m'en fous, c'est une Touraine. Voilà. Ah c'était qu'une Touraine. C'était qu'un Nasus. Ouais, ah, Nasus. Ah, je vais présenter Nasus. On a... J'espère que ça fera plaisir à certaines personnes, parce qu'ils veulent que je fasse une vidéo sur League of Legends. Voilà, je vous l'ai fait, vous me ferez plus chier avec. Un jeu où on n'a pas trop besoin de réfléchir. Un jeu où, tu réfléchis pas, tu fonces dans le tas et tu t'en contrefous du reste. Voilà. Non, mais c'est un jeu bien sympa. Oui, c'est sympa entre potes. Mais tu préfères World of Tanks, mais bon, c'est des personnages. Mais bon, voilà, je trouve... Faut savoir jouer entre potes. Si vous jouez toujours tout seul, franchement, ça vaut pas le coup. Leur mort attend. Bah, c'est vrai. C'est... Faut le dire, faut dire ce qu'il y a. Si vous voulez vous coûter à prendre un jeu uniquement pour une campagne, actuellement... À éviter. À part, il y a certains jeux, je dirais, où il faudrait acheter. Il y a Zombie U, par exemple, niveau ambiance, c'est vraiment incomparable. J'ai eu la chance de pouvoir le tester. Voilà, c'est magnifique, hein. Ambiance magnifique. Dead Space. Si vous voulez un jeu d'horreur, Dead Space, je vous conseille franchement. Parfois un peu trop prévisible, certes, mais quand c'est au premier, vous êtes souvent magnifique jeu d'horreur. C'est après vous cherchez vraiment un jeu de stratégie où il y a une bonne campagne, il n'y en a pas beaucoup. Ah même pas, Starcraft, il y a combien d'heures de durée de vie de campagne? 10 heures, je sais pas. Non mais pas pour la campagne. Voilà, le multijoueur, c'est ça le problème, c'est que si c'est vraiment... Là je parle justement de campagne. Ah. Il y a beaucoup de personnes, je sais, on s'est rendu compte, on est pas obligé comme ça aussi. J'ai acheté un jeu, c'était pour la campagne. Ouais. On a tous commencé comme ça, faut. Bah prenez Call of Duty, il y a une campagne. Voilà, les premiers. Maintenant, il faut prendre le dernier Call of Duty, vous mettez 10 heures, vous faites le jeu en vétéran. Non mais c'est... Ah mais je suis sérieux. Le Black Ops m'a fait 12 heures pour le finir en vétéran, tu vois. C'était le premier Call of Duty que j'ai en vétéran. Yeah.
avec eux, c'est marrant. C'est pour ça que j'ai un peu donné de challenge au départ. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que si vous cherchez vraiment des jeux que pour la campagne, il y en a très peu maintenant. Un jeu de stratégie, je suis en train de penser où il y a une campagne géniale, mais bon, c'est de stratégie très développée, c'est Wargame European Escalation. Là, par contre, c'est un jeu de stratégie. Vous gérez les munitions de chacune de vos unités, vous micro-gérez, vous macro-gérez vos unités, donc voilà. Ils viennent pour moi. Il y a aussi un Trada bien fide avec eux. Doublé. C'est la meilleure des trucs. Voilà. Donc voilà, je vous l'ai dit à peu près vraiment voilà, sur la suite de la chaîne. Je vois pas qu'est-ce que je pourrais rajouter vraiment. Peut-être une question, Bigloom, pendant que je t'ai sous la main. Non. Je sais pas, t'as peut-être une question sur mes vidéos ou...